Of Douala. There is a doual'art, that is the organization, an organization based in Douala, Cameroon. The co-founders are Marilyn Doualabelle and Didier Shaw. And they just will talk about a bit Douala. The people who are here are just the artists or architects or cultural practitioners who are invited to go to Douala in different times. Some of them, they will go there in March, so the upcoming March, and some of them in December 2007. In March, there will be like a workshop called Asenubis International Workshop that will involve around like 20 international artists to explore the city and to come produce like unexpected vision of Douala. That is organized by ISDAIC and doual'art all together. Of Douala. In 2005, Marilyn Doualabelle and Didier Shaub, as doual'art, organized a symposium in Douala. It was called Asset Urbis. That is why the workshop used the same name for this new event, this new upcoming event. Of Douala. Around the city developed by doual'art. One of the major ones is the La Nouvelle Liberté, which is a sculpture located in Rond-Point d'Indo. So I work with artists. We are not a gallery, so we, often as possible, we do not want to sell because we do not know how to sell pieces. So to help artists to get out of their studios. So doual'art is involved in the area of public areas. So La Nouvelle Liberté. So one of the most spectacular acts we have done in the city of Douala, it was in 1996. So important for us, this work is very important for us because it was the first real work inside the city with a lot of discussions between people around art and around some practices they have, like recycling things to survive, you know. And it was also a piece which has been like a platform of discussion about the situation we have around ethnical conflicts in Cameroon. Sculpture descend à 8 mètres sous le sol. The sculpture is based on the ground up to 8 meters in the ground. L'œuvre a été travaillée sur dans un grand hangar prêté par les chantiers navals de Douala. To produce the work, they used the hangar of a navy, so society, a navy society. Et lorsque le socle a été prêt, l'œuvre a été apportée avec des moyens de levage et scellée sur son socle. When the hole, the host of the sculpture was ready, the sculpture was carried to the location with the On revient peut-être un tout petit peu en arrière pour préciser que sur cette structure qui était réalisée en tube, l'artiste a assemblé patiemment toute une série d'objets récupérés venant de l'automobile, de l'industrie et autres déchets. On top of this structure, the artist put different objects coming from the car industry or other objects, the recuperated objects. Is it correct? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, du jour au lendemain, la place sur laquelle est édifiée cette sculpture a été garnie de la sculpture. C'est-à-dire que la veille, les gens se sont couchés avec une place qui était vide et le lendemain vers 11h midi la chose était là. What is interesting to I can recall is that the sculpture was basically the people living in the area
they assisted from the night to the morning. They saw the sculpture rising. So at night there was nothing. The day before, the day after, at 11 o'clock, there was a sculpture of 12 meters high in the square. Bien sûr, nous avions demandé les autorisations nécessaires pour la réalisation d'un tel travail. Of course, there were all the authorizations required to be able to position the sculpture. Mais manifestement, les autorités municipales pensaient que, comme beaucoup de projets qui sont initiés dans la ville, c'était un projet qui n'arriverait jamais à la réalisation. But somehow, some of the local authorities in the city council thought that as many of the projects developed in the area in Douala. Probably the project would never be produced. Et donc le jour J à l'heure H, lorsque l'œuvre a été posée, c'était un dimanche. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, c'est-à-dire le maire de Douala, a convoqué un conseil municipal de crise parce que. So basically, what happened the day? It was on Sunday, and it doesn't have the same name, but the mayor of Douala had to call for a meeting, for a crisis meeting, when they finally had. Alors, il se posait la question, c'est vrai que nous avons signé une autorisation à doual'art pour faire cela, et ils étaient tellement, tellement estomaqués de voir l'œuvre qu'ils se sont demandé à un moment, est-ce que nous allons pas revenir un petit peu sur notre autorisation en disant nous vous accordons l'autorisation de mettre l'œuvre pendant quelques mois et ensuite on l'enlève. The reaction was they said okay, we gave you the authorization to put it, but since they had such a shocked and reaction to the piece, they said well maybe we can give you the authorization for several months and then we'll see, maybe we can, you can take it down. Et nous avons répondu, ben, si c'est votre décision, pourquoi pas. Mais pour démonter, la facture, le devis sera de X millions. Et depuis, elle est restée là. So the answer was, okay, if this is your decision, it's fine. But this is the bill for dismantle it. So if you can cover the cost of taking it away, that's fine for us. So it's still there. Alors, bien sûr, on s'attendait à des réactions un peu mitigées, compte tenu du fait que le parti pris de l'artiste était de réaliser une œuvre d'accumulation de produits de déchets, en quelque sorte. Donc, on s'attendait à ce type de réaction. Mais, on attendait une réaction forte, a strong reaction. Oui. On attendait une réaction forte. We expected a strong reaction towards the work because of the way the artists work, using recuperated materials or ready-made. Mais là où nous avons été nous-mêmes très très surpris et où on a été pris à contre-pied, c'est que l'essentiel de la critique a porté sur des questions ethniques. But what it really shocked us and we didn't really expect was that the real issue about the work was actually related to ethnic issues, so problems of ethnicity and the. En effet, Joseph Soumeigné est un artiste originaire de l'ouest du Cameroun, qui est une région différente de celle de Douala. Soumeigné, the artist, comes from west Cameroon, and it's a different region from the population, different region from Douala. So. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que le bas de l'œuvre soit encore à l'heure actuelle inachevé. Lorsque l'œuvre a été mise sur son socle, il était prévu d'élever un échafaudage de manière à ce que Soumeigné fasse les finitions à l'endroit de liaison avec le socle, ce qui n'a jamais été fait. Cette partie-là n'est pas terminée. Ça n'a pas été terminé parce qu'il y avait plein de menaces physiques contre nous-mêmes et contre Soumeigné autour de la question ethnique. So the plan, the idea was to finish the sculpture. There is the bottom part of the sculpture that is not finished yet, but the threat to the artist and to doual'art because of this ethnic issue, this
didn't allow them to. This work is very important for.